Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester des produits de la marque About Face. Alors, la marque About Face, About Face Beauty, c'est donc une marque de make-up qui a été lancée par la chanteuse Halsey, je sais pas comment on dit, bref, Ashley Nicolette Frangipane, je crois qu'elle s'appelle comme ça, c'est son vrai nom en plus, genre vraiment, je mens pas, hein. Ça s'appelle vraiment Ashley Nicolette Frangipane, c'est pas bien de shade de son nom de famille. Donc du coup, j'ai donc commandé des produits autant sur le site officiel de la marque que sur Beauty Bay, parce que la marque est disponible sur Beauty Bay depuis peu, mais du coup, bah, voilà, pour des questions de produits qui étaient soit disponibles sur un site et pas disponible sur l'autre, ou soit alors des produits qui étaient plus chers sur un site et moins chers sur l'autre, bon bah voilà, j'ai du coup passé deux commandes, donc du coup il y a des produits qui viennent autant de chez Beauty Bay que du site même. Donc en vrai je trouve que la marque n'est pas hyper chère, dans le sens que bon voilà, c'est pas du make-up révolution non plus, dans le sens c'est pas des produits hyper abordables non plus, mais je pensais que ça allait être quand même un petit peu plus cher, et au final quand j'ai passé mes commandes, que j'ai regardé les prix et tout machin, je me suis dit ça va quand même, ça reste assez envisageable, je trouve. Donc du coup, ce qui fait que là je vais vous faire donc un petit unboxing. Alors j'ai déjà fait mon teint quasiment, il me manque juste de l'highlighter parce que il y a un highlighter dans l'histoire, c'est pas drôle. Mais après j'ai globalement pris uniquement bah, pour faire les yeux et pour faire donc du coup les lèvres, parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de produits dans la gamme, mais c'est que quand j'ai passé ma commande, déjà les blush crème qui vient de sortir n'étaient pas sortis, et en plus il y avait des produits qui étaient en rupture, et après il y avait des trucs qui m'intéressaient pas forcément pour autant, voilà. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, donc j'ai commandé donc une partie donc sur le site officiel, donc du coup j'ai reçu dans un colis comme ça vert. Le vert néon, j'adore, passion. Et il y a un truc que j'aime beaucoup donc du coup avec cette marque, c'est que les packagings, ben, en fait, sont, je trouve, différents de ce qu'on peut avoir habitué. Donc déjà pour commencer, donc là j'ai les Fractal Glitter Eye Paint. Voilà, comme ça. Du coup, c'est des verres liquides à paillettes. Alors, on voit le truc comme ça, on se dit, d'accord, c'est une pompote. C'est un truc de compote. Mais non, du coup, c'est bien un fard liquide. Et voilà, j'aime trop le packaging. Ça fait très, très futuristique, très, bah, très simple aussi, très brut. Moi, j'aime pas mal ce genre de packaging, j'aime beaucoup. Voilà, après, bon, on n'est pas forcément là pour le packaging, on est plus là pour voir ce que donnent les produits. Ensuite, j'ai eu un gloss qui a été offert avec ma commande. Voilà. Là, j'ai un crayon à lèvres. J'ai l'highlighter dont je vous parlais. J'ai du coup un rouge à lèvres liquide mat. Ensuite on a une des matte fluid eye paint. Alors du coup ça c'est un fard liquide en fait, un fard liquide pour les yeux. Et bien sûr sans surprise je l'ai pris en vert parce que voilà, ici on a compris, c'était le ministre du vert qui vous parle. Ensuite j'ai pris un pigment libre, donc ça c'est le Fractal Glitter, donc c'est du dust, voilà, Fractal Glitter Dust. Alors que là du coup c'est Fractal Glitter Eye Paint, voilà, bon. C'est un peu confus, hein, je vous avoue. Et aussi, j'ai un gel à sourcils, je crois que c'est comme ça. Fractal Blow Brow. Alors, c'est vert, que je me suis dit, bon, vert, hein, voilà. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est un gel à sourcils et je crois que dedans, il y a des paillettes dedans. Je sais pas si on arrivera à voir, mais il y a des paillettes dans le produit et du coup, ben voilà, il y a une petite brosse. Et c'est pour ajouter ben des paillettes dans ta vie, hein, littéralement. Et voilà, c'est du coup pour mettre dans les sourcils. Bon, moi, en l'occurrence, j'ai déjà fait mes sourcils, mais vu que mes sourcils sont en train de tomber parce que je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, ils ont décidé de me dire nique ta race, voilà. Je vais en mettre sûrement. Et on a ensuite un liquide, voilà, donc c'est le Light Lock Highlight Fluid, voilà, donc il y a 15 minutes. Alors ce qui est un truc qui est marrant, c'est que voilà, on peut ouvrir donc du coup le packaging comme ça. Donc en tirant sur la languette, je vais le faire juste pour voir une démonstration. De toute façon je vais pas garder les packaging, je pense, surtout pour celui-là. Et voilà, c'est marrant, ça change un peu de d'habitude je trouve, mais voilà quoi. Ensuite bah, le packaging comme ça, moi j'aime bien, je trouve ça stylé, hein. Après bon, ça se retrouve que sur les produits teint. Je crois que même l'highlighter il est comme ça. L'highlighter je l'avais déjà checké, voilà, comme ça. J'aime bien, j'aime beaucoup. Après c'est marrant parce que c'est assez asymétrique, là je sais pas si on arrivera à voir, mais voilà, par exemple là sur le derrière, bon bah on voit que c'est penché sur le côté, et comme ça, bon voilà. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa, après voilà, faut aimer, hein. Bon, moi en l'occurrence j'aime bien. Voilà, l'highlighter il se présente comme cela. Et ouais non, moi je trouve ça assez cool. Après bon, il y a quand même pas beaucoup de packaging très important, voilà. Même le gloss, attends, le gloss il ressemble à quoi, le gloss, je l'avais déjà sorti, voilà. Le gloss il reprend un petit peu le packaging de l'highlighter liquide. Bon bah le eye paint, voilà, vous voyez à travers le packaging, et ensuite ben le liquide mat, le rouge à lèvres liquide mat, ben voilà il est comme ça. Et après le crayon à lèvres, ben, je crois que c'est juste un crayon à lèvres, il y a rien de plus, rien de moins compliqué, voilà. Donc ben, sur ce on est parti. Let's go. Alors donc on va commencer donc par le highlighter poudre que j'ai. Du coup c'est le Light Lock Powder en teinte This Bliss. Du coup voilà le packaging avec un peu un effet miroir. Alors bon, je sais pas si on arrivera à voir, mais voilà, y a un packaging effet miroir, voilà, c'est très stylé, moi j'aime beaucoup. Par contre, parlons du fait que la teinte est quasiment inexistante en fait. Genre là, on verra pas comme ça. Ah si, il y a les petits reflets jaunes là, j'aime bien. Alors, que je vais mettre
du spray fixant, parce que moi j'aime bien faire ça en fait. Mettre du spray fixant avant de mettre mon highlighter pour que ça accroche mieux et puis voilà. Aussi il y a un truc à savoir, c'est que du coup dans la marque About Face il y a un spray fixant. Sauf que quand j'ai voulu le commander, je crois que sur le site, autant sur le site internet que sur Beauty Bay, il n'était pas disponible. Donc du coup j'ai dit bah c'est pas la peine, ça sert à rien. De toute façon j'en ai déjà 30 000 en cours. Là j'utilise le Simpson de Revolution parce que j'ai envie de le finir. Et donc voilà. Yeah. Donc on va attaquer avec l'highlighter. Alors du coup je prends mon PC28 de chez Peaches and Cream. C'est le pinceau que j'aime bien utiliser en ce moment pour l'highlighter. Alors je vais de m'enflammer, par contre on va éviter d'en prendre 3 tonnes, on sait pas ce que ça donne. Et du coup je vais mettre la lighter sur mes joues et ma foi ben c'est bien sympathique. Par contre c'est jaune hein. Là je sais pas si ça se verra en caméra extrêmement ou quoi, moi je le vois bien, c'est jaune, c'est même pas doré, c'est jaune, genre c'est, enfin, après je savais que c'était un lighter qui était plus vers les dorés jaunes et tout machin, mais c'est jaune. Voilà. Bon, après par contre ce qui est bien c'est que là je sais pas si ça se verra forcément en caméra ou quoi, mais il est pas hyper intense non plus, donne un peu l'impression de se fondre facilement à la peau et ça c'est cool. Pas mal. Donc en plus là j'ai déjà un blush, bon j'ai mis le Shelly de chez Benefit, j'adore ces blushs, passion, genre vraiment je les adore. Et ces blushs là ben, ils ont déjà un petit peu des nacres dedans donc ça sert à rien de venir en rajouter pour rien, voilà. Mais sinon après ben, il est très joli cet highlighter, il est bien sympathique. Bon, après c'est pas l'highlighter du siècle, hein. Clairement je trouve que ce n'est pas, clairement c'est pas des Kaleidos, mais je trouve qu'il est très bon. La couleur, bon moi ça me choque pas parce que bon. Voilà, ça me choque pas, c'est tout. Mais après, voilà, faut aimer le jaune, quoi. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est assez léger comme truc, hein, quand même. C'est pas bien dans ta gueule, quand même. Ça fait très glow naturel, j'aime bien. Donc, pour l'highlighter poudre, et ben, c'est cool, c'est nickel, moi j'aime bien. Voilà, il y a juste voilà, le fait que ça soit un petit peu jaune, et encore, bon, voilà, ça me choque pas des masses, je trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre comme produit? Alors, vu que mes sourcils, en ce moment, là, ils font la gueule. Là, aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, ils ont décidé de me dire. T'es moche, je vais te faire voir. Ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer donc le Fractal le Bro. Alors, par contre, ça a l'air de quand même vachement de prendre beaucoup de produits. J'ai pas forcément envie d'avoir les sourcils verts, mais on va voir ce que ça donne. Donc, hop. C'est sympa. Bon, c'est pas ce que je mettrai tous les jours non plus, mais par exemple, pour des looks un petit peu artistiques, ça ajoute un truc. Je sais pas si on le verra forcément bien. Après, ça plaque pas les sourcils, ça qui est un petit peu dommage. Ça a été un vrai gel à sourcils, dans le sens qu'il vient fixer les sourcils là. Et là, il ne les fixe clairement pas. Je savais que c'était un truc à paillettes et je savais que ça allait pas forcément fixer de malade, quoi. Mais après, non, c'est pas mal si on veut rajouter un petit truc à un make-up, par exemple. J'aime bien. Mmh. Ouais, c'est marrant, c'est sympa. Je mettrai pas ça tous les jours, mais voilà, c'est sympa. C'est marrant, ça rajoute un petit truc en plus. Ensuite, on va donc pouvoir passer dans tout ce qui est yeux. Donc, pour les yeux, je vous ai dit, j'ai donc la matte eye paint. Et ensuite, j'ai les fractales. Donc, voilà. Donc, Halsey, enfin, oh, bref, on va l'appeler Ashley, comme ça, ça va directement plus vite. Hein. Donc, la Ashley Frangipane, elle avait dit, donc, en présentation, voilà, je vous montre au passage la eye paint matte. Je vais me faire le focus, ça m'a l'air. Voilà, présente comme ça. Côté, voilà, c'est marqué matte eye paint. Voilà. Donc elle avait dit dans une vidéo, je crois que c'était avec Manny Mui, que en gros c'était assez bon un peu dans l'esprit artistique et tout machin. Et que là en gros quand elle disait que c'était de la paint, ces produits là, c'est vraiment de la paint, c'est vraiment de la peinture. Donc ça peut s'utiliser pour faire du dessin, pour travailler un fard comme ça et tout. Ou juste tu poses comme ça et tu fais un apply et puis voilà. C'est assez artistique. De toute façon, là, aujourd'hui, on part vraiment dans l'artistique aujourd'hui. Hein. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Du coup, moi, j'ai pris la teinte en Vertigo Flowers. Voilà. Alors, par contre, j'ai pensé, donc, vu qu'elle a dit qu'on était en mode artiste aujourd'hui. Enfin, c'est pas elle qui l'a dit, mais c'est moi qui c'est moi qui en a décidé ainsi. J'ai donc, du coup, pris la palette que j'utilise des fois pour faire un mélange. Et j'ai donc posé la matière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, donc, un pinceau. Donc, là, c'est un Peaches and Cream, c'est le 22. Et en fait, je vais venir faire un peu un make-up comme il a fait Robert Welch dans sa vidéo quand il a testé la marque. Bon, c'était il y a cher longtemps. Hein. Moi du coup je vais reprendre un petit peu la forme. Je vais me prendre ça avec un pinceau et on va voir ce que ça donne. Bon déjà c'est pigmenté, hein, clairement, il n'y a pas. Il n'y a pas à dire le contraire. Hein. Par contre ça a l'air de sécher hyper vite. Que là, en gros j'ai posé les trucs. Ça me fait déjà un peu des trous, je trouve. Je sais pas si on arrivera à voir, mais en tout cas c'est. Ah c'est bien pigmenté. Hein. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais moi je commence à avoir un peu déjà des trous dans le make-up. C'est un peu dommage, après ça vient perdre en pigmentation un peu quand même. Mais en tout cas c'est c'est vraiment bien pigmenté pour de la plat par exemple. Là si je peux juste mon fard. Voilà, c'est bien pigmenté quoi quand même. J'aime bien. La couleur est très jolie. Un peu jaune je trouve, mais bien joli. Après bon je crois pas qu'il y avait d'autres verts assez intenses et assez vert, assez bleu quoi on va dire. Mais là c'est pas mal. Maintenant quand je la vois en vrai c'est pas forcément ma teinte préférée, mais c'est pas mal. En fait là je sais pas quoi en penser exactement parce que je me dis ça fait le taf. Hein.
mais je sais pas si c'est la couleur qui me bloque en fait. C'est assez jaune quoi. Je vais voir si je peux faire l'autre œil avec le restant. En tout cas, c'est un produit crème, hein. C'est pas... Voilà. Un peu comme si vous travaillez par exemple une paint de chez Pelouise, ou même une base directement. Voilà, là ce qui est chiant c'est que je sens que je dois en reprendre. Qui est assez dommage parce que je me dis, ouais, ça va gâcher du produit un peu. Que je me dis là ça a déjà séché, ce qui est assez chiant. Du coup j'en remets sur ma palette. Je mets bien les deux côtés hein, de l'applicateur. L'applicateur il est pas mal. C'est un applicateur un peu gloss classique mais bon. Voilà. Donc hop, là j'ai continué donc du coup sur mon œil gauche. En fait, je suis en train de me dire que ça, c'est... Ouais, ce genre de produit, c'est vraiment si tu veux faire de l'aplat ou un peu de l'artistique, quoi. Parce que là, je me dis, il n'y a pas assez, en fait, de temps pour vraiment travailler le produit, je trouve. Parce que là, c'est déjà sec. Encore là, j'ai de la chatte, j'arrive à travailler un petit peu avec ce que j'ai de restant sur mon pinceau. Donc j'ai repris de la matière. Mais ouais, c'est en gros, faut savoir poser ta forme là où tu veux qu'elle soit. Et voilà. Mais après, là, je trouve que t'as pas le temps forcément d'estomper ton fard. C'est un peu dommage. Après le fard il s'étombe sur du jaune, bon je suis pas forcément fan, de toute façon je vous l'ai dit. Hein. Voilà, bon je vais prendre le restant qu'il y a sur la palette, là, je repasse bien sur les deux yeux. C'est vraiment de prendre le restant quoi. Alors, par contre c'est un truc qui m'inquiète, c'est j'espère que ça se lave facilement. Hein. Parce que si ça reste longtemps sur mon pinceau, on va pas s'entendre. Hein. On va pas s'entendre du tout ma belle. Orzy, je crois qu'on dit Orzy en fait. J'ai affaire des chichis. Enfin bon bref, si ça reste, Ashley, Frangipane, je t'envoie la facture, hein, parce que là, c'est pas possible. Hein. Bon bref, ouais, là clairement, il reste ça sur ma palette, et je pense que, de toute façon, je peux pas étirer plus longtemps le produit, voilà. Bon. Alors, le truc que je vais faire, donc déjà je vais poser mon pinceau en évitant de crader. Bon, déjà ce que je note, c'est que c'est très bien pigmenté. Très bien pigmenté, c'est très jolie couleur. Après, je trouvais que là, au début, ça faisait un peu des trous, mais finalement... ça passe. Enfin, moi je trouve que c'est pas hyper choquant non plus. Par contre vraiment de près j'aime beaucoup la lighter. J'aime beaucoup les reflets en plus c'est très très texture naturelle. Bon après ça colle encore un peu là le fard. Donc c'est pas totalement sec. Mais je pense que ça sèche quand même relativement vite. Hein. Ouais non je suis pas... I'm not mad at it. Du coup sur ce je vais passer au fractal. Donc du coup j'ai trois teintes. J'ai la Tin Pan Ali, j'ai la Fracture et j'ai la Refract. Alors au vu de la couleur j'ai envie de prendre la Tin Pan Ali. Donc je vais ouvrir comme ça. Alors par contre ce que je comprends pas c'est que du coup j'ai eu deux types d'emballage. Je crois que j'en ai... Non j'ai commandé les trois sur le site de About Face directement. J'ai pas pris une sur... sur Beauty Bay. Donc voilà, j'ai eu un packaging comme ça avec un carton derrière et après j'ai juste eu un packaging comme ça. Donc voilà, vous voyez que c'était en transparence, que c'est écrit derrière Fractal Glitter machin et tout et qui était un petit peu plus grand. Bon, je comprends pas pourquoi. Mais enfin bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc du coup le Fractal le Glitter Eye Paint en teinte Tin Pan Ali. Donc du coup celui-là. Ah, je lis la carte. Je crois que j'ai gardé la carte, j'aime bien. Et donc du coup quand on sort le produit, il se présente comme cela. Alors clairement. Ça c'est ma palette, elle ira pas plus là. Enfin, ce que j'aime bien, c'est que bah, c'est un design original. Je trouve que le design est original, j'ai jamais vu ça. Je trouve que ça fait, bon après je vous l'ai dit, hein, ça fait compote, hein. Compote clairement. Mais c'est pas mal comme design. Alors, on ouvre et ensuite on a du coup un applicateur avec le produit. Alors j'ai très très envie donc, du coup de toujours utiliser ma palette. Je me dis, autant essayer, d'abord sur un œil, hein, bien sûr, parce que bien sûr je vais pas niquer mon œil photo, mais de voir si on peut appliquer directement à l'applicateur. Alors on peut, elle s'est extrêmement pigmentée cette merde. Et ça a l'air de bien refléter. Je crois que je vais travailler au pinceau quand même parce que j'ai pas envie de niquer l'applicateur avec le vert. Donc là je pense que j'ai appliqué assez de matière. Voilà, je vais juste reboucher mon truc et là je vais prendre du coup un pinceau plat de la collection Nos Funèbres et Révolution. Et je vais venir travailler donc le Glitter Eye Paint. Donc clairement c'est vraiment un délire cosmique, artistique, comme dirait Fanny Ardant dans Drag Race France. C'est presque cosmique ici. C'est presque cosmique ici, bah tu m'étonnes ma belle là. Putain on y est bien dans le cosmique. Hein. Oh, c'est très joli. Bon alors par contre c'est vraiment transparent ça je trouve. Mais putain c'est bien. Oh, j'adore les paillettes que ça laisse. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai mélangé mais là ça fait des paillettes vertes un peu. Et c'est très très beau. Miam miam, intéressant. Alors du coup je vais mettre du produit donc sur ma palette et je vais donc continuer avec mon pinceau. Et là directement je vais appliquer donc à l'aide de mon pinceau bien sûr sur l'autre œil. Ah l'autre œil ça fait un résultat un petit peu plus calme on va dire. En gros ça tempère l'intensité des paillettes. Et du coup non c'est les paillettes hein, qui sont vertes dans le produit. Que c'est bien par exemple d'utiliser le produit comme ça si on veut moduler en fait. Parce que en ayant appliqué directement, bon certes ça s'est retrouvé pas mal de trucs. Mais là si par exemple on veut moduler l'intensité. Ouais. Bah après ce qui est dommage, et là je pense que c'est juste un problème de la teinte, c'est qu'en fait il n'y a pas de base sur le produit. Directement en fait je pense à un produit transparent avec des paillettes dedans. Même s'il y a un peu de champagne dedans je trouve mais bon. Et donc vu que j'en ai encore assez je pense, parce que ça s'étire quand même pas mal à l'infini, hein. C'est très joli comme ça. Je vais venir continuer donc sur mon autre œil. Je
crois même. Je vais commencer à en mettre dans le coin interne. J'arrive encore à en choper parce que voilà, là c'est assez séché par exemple, mais ça laisse plein de paillettes. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, donc hop. Je vais venir poser donc dans mon coin interne. Oh, c'est très joli. Bon, après, clairement, aujourd'hui on a dit artist. Aujourd'hui on a dit artistique. Clairement, on part sur un délire. Ouais, un délire cosmique quoi. C'est presque cosmique ici. Ouais, bon, par contre, c'est dommage, c'est que. Bon, après, c'est des fards liquides, hein, forcément, fait que je m'y attende. Ça sèche archi vite. Ça sèche archi vite en fait. Si t'as pas fait ce que tu devais faire dans la minute M, bon voilà quoi, t'es foutu. Ouais. Bon, ça ressemble un peu à rien, je trouve, mais j'ai envie de dire, c'est artistique. Juste en venir en reprendre un tout petit peu, j'ai juste en fait essoré, donc enlever le maximum de produits en fait, parce que moi je veux juste en récupérer un tout petit peu en fait. Par contre, il y a 4,5 ml de produits, bon, je crois pas que c'est colossal non plus. Après, quand on sait qu'il y a d'autres produits qui ont moins dans d'autres marques, hein, bien sûr. Après, hop, je vais me remettre dans mon coin interne, on a que ce soit mieux. En fait c'est très joli, c'est que ça, en fait ça a des reflets sur la lumière quoi. Si t'es en face c'est sûr que ça ressemble à rien, mais si tu le mets de côté, voilà, ça a déjà plus de gueule quoi. Voilà. Bon, enfin, moi j'aime bien, hein, mais voilà, c'est très très cosmique, très artistique. Donc je pense que là j'en ai fini avec les glitters machin chouette là. Je crois qu'on va passer aux lèvres directement. Je vais venir mettre du mascara à caméra et je vous retrouve juste après. Sachant que il y a des crayons hein, dans la marque About Face, mais c'était plus des jumbo qu'autre chose. Et bon, j'avais pas forcément envie de prendre des jumbo parce que j'ai des crayons pour les yeux et ils me servent déjà bien. J'ai pas envie de prendre des jumbo pour rien, donc voilà. Je vais juste mettre donc du coup mon mascara, donc le Fenty là que j'ai en format mini là que j'essaie de finir. Et on se retrouve juste après. Hop là, donc du coup on se retrouve pour les lèvres. Alors les lèvres, donc du coup moi j'ai pris un combo. Voilà, il y avait le crayon et le rouge à lèvres, je crois que c'était un bundle et du coup ça revenait moins cher. Ça, j'ai pris le matte Fix Lip Pencil en teinte Smoking Room, je crois que ça s'appelle comme ça. Je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Voilà, c'est un crayon qui se taille. Voilà. Voilà, j'ai pris une teinte nude parce que j'avais pas envie de me casser la tête, surtout qu'en fait j'imaginais déjà le look que j'allais faire donc, du coup avec le truc vert et tout. Je m'étais dit ouais, on va pas tenter le diable, on va juste faire un truc nude, hein, voilà. Et donc du coup j'ai pris donc le matte Paint It Lip Color, donc du coup bah, voilà. Je l'ai pris en teinte quoi, Obscure Desire. Putain, par contre écrit toujours plus petit. Hein. C'est voilà, c'est marqué sur le cul du rouge à lèvres, mais alors c'est écrit peu de shit, t'as peur. Bon, du coup j'ai commencé déjà avec les lèvres, avec le crayon à lèvres. J'arrive plus à parler. Voilà. Donc hop. Ok, alors le crayon à lèvres est super gras. J'ai même envie de dire trop gras. Genre il glisse super bien sur les lèvres. C'est cool, mais bon. Il va avoir un lipstick parfaitement fait. Est-ce que vous venez de voir l'atrocité qui vient de se passer? Vas-y, même pas je ramasse. Ah, j'ai trop le seum. Non mais... Putain. Ou alors, en fait c'est soit... Le truc a pris chaud quand il y avait la canicule, ou soit alors c'est trop gras et du coup ça se démantèle en 3 secondes. Et bien sûr, je trouve pas de tes crayons, c'est super. Bah désolé, mais moi si j'ai pas de tes crayons, en fait je peux pas finir mon truc là. On peut pas lancer la vidéo, c'est quoi cette connerie? Bon, du coup j'ai pu tailler vite fait le truc, mais ça va être encore chaotique. Ouais, non. Non, putain, ah j'ai la mort. Ouais, non, mes lèvres elles vont être dégueulasses, putain, super, j'ai le seum. Allez, ça dégage, c'est bon, j'ai plus entendu parler déjà de ce crayon. Bon, au moins le truc c'est que la couleur est jolie, mais alors putain par contre, oh, ça colle. Oula. Bon, j'espère que le rouge à lèvres soit peut-être un peu mieux, j'espère. Ah, le truc il sent la menthe un peu. Ah, bon, par contre c'est la même couleur. Ok, y a aucune différence. Ouais, à la limite j'aurais pu faire mon contour avec le lipstick directement. Ah, hyper. Voilà, je pense qu'en fait je suis saoulé par le crayon à lèvres, donc du coup là je peux pas être objectif sur le lipstick. Bref, je vais laisser sécher. On va voir ce que ça donne. Déjà j'aime pas les lèvres parce que ben, déjà elles sont mal faites. Super. Merci le crayon de merde en fait. Il est pas agréable, le rouge à lèvres, il est pas agréable, j'aime pas du tout, je trouve trop lourd. Bon, ouais. Et en fait le gloss il donne quoi du coup? Le gloss il est genre trop rose. Ouais non, le gloss il va être trop rose. Ouais, bon, laisse tomber, on avorte la mission gloss. J'ai envie de dire que la vidéo est terminée. C'est super, ça. T'as commencé si bien, mais pourquoi ça finit si mal? Bon, du coup, pour conclure la vidéo, je vais essayer de reprendre article par article parce que voilà. Alors, l'highlighter, je kiffe. L'highlighter, je kiffe. Voilà, déjà, je trouve qu'il est très joli. Après, c'est jaune. Vous pouvez aimer le jaune. Moi, ça va en l'occurrence, ça ne me choque pas plus que ça. Enfin, la teinte est jaune, hein, voilà, je précise bien. Mais en attendant, ça fait super naturel, j'aime beaucoup. C'est pas mon fini d'highlighter préféré, mais bah, j'aime pas mal. Franchement, j'aime pas mal du tout. Ensuite, alors le truc pour les sourcils, bon, je pense que c'est pas si moche que ça, mais alors par contre, ça fixe rien du tout, donc bon. Après, je pense que c'était plus moi une attente que j'avais et en fait qui n'a pas été répondu, donc bon voilà. Mais du coup, ça fixe rien, c'est dommage, mais bon, après, c'est sympa, ça rajoute un petit truc en plus aux sourcils. Ça fait artistique, hein, voilà, clairement. Puis, oui, c'est sympa quoi. Le matte eye paint, j'aime bien, je trouve que c'est très bien pigmenté,
ça s'utilise plutôt bien je trouve. Mais alors par contre le truc c'est que je trouve qu'il n'y a pas moyen d'estomper forcément bien le produit en fait. C'est un peu dommage. Et ça sèche vite aussi. Mais bon, ça encore limite, je m'y attendais parce que je savais que... J'avais déjà vu des vidéos disant que ça séchait assez vite. Ensuite pour le fractal, donc du coup bah, c'est toujours un eye paint mais cette fois-ci c'est un glitter. J'ai trouvé très très bien, très joli. Bon après par contre je suis un petit peu déçu, c'est qu'en fait il n'y a pas finalement une base de malade sur cette teinte là. Donc du coup c'est la Tin Pan Alley, voilà. Je veux dire c'est très joli, hein. Il y a des très très jolies palettes, des très très jolies paillettes dedans. J'aime beaucoup, hein. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, juste un peu déçu qu'il n'y ait pas plus de base que ça. Et ça sèche hyper vite. Je veux dire, voilà, genre. C'est assez dommage, c'est qu'en fait, voilà, j'en ai encore plein sur la palette. Et en fait, finalement, c'est déjà sec. Donc, bon. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, limite, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave parce que ça reste quand même un très très joli fin liquide. J'apprécie pas mal. Et j'ai hâte de voir ce que les autres teintes vont donner. Voilà, le crayon à lèvres. On a vu le désastre en direct. Je vais même pas en parler. Ça sert à rien. Mais voilà, après, les lèvres, bon, déjà, la couleur, je suis pas forcément fan. Je trouve elle est trop foncée, la couleur. En fait. J'ai dû prendre peut-être un autre combo. Et après bon la texture du rouge à lèvres, je suis pas forcément fan. Je trouve que en fait je sens le rouge à lèvres là sur mes lèvres. Et j'ai serré le produit dans le tube, donc bon si je suis pas forcément fan. Et alors le crayon bah ça me fait chier, c'est qu'en fait il est beaucoup trop gras. Tu peux pas l'utiliser normalement. Et en plus ça se taille comme de la merde. Enfin genre j'ai essayé de faire avec un T-crayon que c'est pas celui que j'utilise d'habitude, mais genre j'ai trouvé ça trop chiant. Genre je sais pas, j'ai l'impression d'avoir déjà défoncé la moitié du crayon. Enfin, je comprends pas. Donc bon je suis un peu. Non, franchement je suis déçu. En plus la teinte, bon la teinte elle est jolie en soi. En fait les deux teintes, voilà, la teinte, ces deux teintes là, elles sont jolies, mais c'est juste que là, c'est pas celle forcément que j'apprécie le plus. Je suis clairement là je suis un peu déçu pour les lèvres. Franchement ça commençait bien mais là finalement voilà. Et bon les deux seuls produits que j'ai pas pu tester donc du coup c'est l'highlighter liquide et le gloss. Parce que le gloss bon voilà clairement rose ça passerait pas avec les lèvres dans tous les cas. Et aussi le fard poudre du coup. Comme ça là le pigment libre. Ça il faut que je teste mais voilà. En tout cas j'y ai pas pensé aujourd'hui. Voilà j'ai pas d'autres raisons en fait c'est tout. Mais voilà donc dans l'ensemble je trouve que la marque est plutôt pas mal. Les prix ça va, ça reste abordable mais après voilà je vous en ai parlé au début de la vidéo, j'ai commandé donc du coup autant sur Beauty Bay que sur About Face directement parce qu'il y avait des produits qui soit étaient disponibles sur About Face et pas sur Beauty Bay et vice versa, ou soit alors des produits qui étaient moins chers sur About Face que sur Beauty Bay et vice versa. Donc voilà, franchement, si vous voulez prendre des produits de la marque, essayez de comparer entre les deux. Voilà, parce que vous ne fassiez pas niquer pour un euro de plus, un euro de moins, et essayez de voir quand même pour voir s'il y a un produit moins cher, un produit plus cher ailleurs et tout. Enfin voilà, essayez de comparer. Donc pour conclure, bah, sur la marque, j'ai envie de dire, c'est des bons produits qui sont pas mal, franchement j'ai beaucoup. Ah oui, et aussi j'y repense là maintenant avant de finir la vidéo. Sur le site About Face Beauty, si vous commandez directement sur le site de la marque, il n'y a pas de frais de douane, il y aura juste des frais de port et les taxes à payer en avance. Pas de mauvaise surprise quand le colis arrivera en France. Et je trouve que c'est arrivé relativement rapidement parce que je crois que j'ai commandé genre fin juillet soit début août. Genre c'était vraiment à cheval sur les deux je pense. Et genre c'est arrivé 10 jours après. Franchement ça prend pas tant de temps que ça pour un truc qui vient directement des États-Unis. Je trouve que c'est cool. Franchement c'est cool. Donc voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Je pense que vous connaissez la chanson à force. N'hésitez pas à aller me voir sur Instagram, même si. Instagram, on fera pas de commentaires, y'a pas de commentaires à faire sur Instagram. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.